Je pensais pas que ça pouvait arriver, quoi. Non mais c'est des siècles et des siècles d'histoire qui s'écroulent, enfin, c'est sous nos yeux, c'est incroyable. Quand on s'est présenté, le feu était déjà très violent, très puissant au niveau de la flèche. Autour de la flèche, le feu avait pris. Donc on a essayé d'établir des moyens hydrauliques importants, mais on a vite considéré que cette partie du feu ne pouvait pas être sauvée, que cette partie de l'édifice ne pouvait pas être sauvée. Donc à ce moment-là, on fait un choix. On fait un choix et on renonce à attaquer le feu dans le lieu où il a pris, pour sauver ce qu'on peut encore sauver. Est-ce qu'il y avait un système dans la cathédrale pour essayer d'éteindre le feu? Non. Sauver les deux beffrois, on a sauvé l'ensemble de la structure, on a sauvé une partie des voûtes, et on a sauvé toutes les œuvres qui étaient à l'intérieur.